In Oradour gab es die Mädchenschule, die Jungenschule und eine weitere kleine Schule für die Flüchtlinge aus Lothringen. Wie jeden Morgen gingen auch an diesem Tag die Kinder zum Unterricht nach Oradour. Die Kinder kehrten niemals zurück. Sechs Männer konnten aus der Scheune Lodi entkommen. Sie wurden als Erste angeschossen und lagen unter all den anderen Leichen. Als das Feuer sie schon erreicht hatte, konnten sie entkommen. Jean-Marcel Dartout ist einer der wenigen Überlebenden des Massakers von Oradour. Ça a été l'événement de ma vie. Ce 10 juin 44, j'ai perdu ma mère. J'ai perdu ma femme et moi-même, j'ai été blessé de 4 balles dans les jambes. Et toute ma vie, j'ai eu ce souvenir d'Oradour que j'ai encore. Das neue Dorf in unmittelbarer Nähe zu den Ruinen wirkt im Gegensatz zu den anderen Orten, die sich malerisch in die Landschaft fügen, irgendwie trostlos. Die neuen Häuser sind nicht wie in dieser Gegend üblich aus Naturstein, sondern in einem faden Grauton verputzt. Dieser Ort strahlt das unendliche Leid aus. Das erste Dorffest wurde im Jahre 2000 gefeiert. Erst 1991 wurden Bäume gepflanzt. Und die Straßen bekamen 1992 Namen statt Nummern. Charles de Gaulle entschied, dass die Ruinen nicht abgetragen wurden. Er sagte bei seinem ersten Besuch in Oradour: Wir müssen den zukünftigen Generationen ein Zeugnis der deutschen Barbarei und der Leiden des französischen Volkes während der 4-jährigen Besatzungszeit hinterlassen. Genau wie Jean-Marcel Dartout konnte auch Robert Ebras aus der Scheune Lodi entkommen. Die Schwestern von Robert Ebras, Denise und Georgette und seine Mutter, starben in der Kirche. Unter den Leichen waren sie nicht mehr zu identifizieren. Für Robert Ebras gab es nur noch den Kampf gegen die Deutschen. Er ging in die Wälder, er ging in den Maquis. Moi personnellement, il y a très longtemps, je suis pour la réconciliation. Voilà, la réconciliation, je ne demande pas le pardon de qui que ce soit, la réconciliation d'hommes, une conversation, quelque chose qui ne laisse pas ni nous sur une mauvaise impression de votre peuple, ni vous d'avoir ce fardeau sur le dos, parce que dans le fond, c'est un fardeau que vous avez. Et pour supprimer tout ça, je crois que ça serait une bonne chose. Avec Sylvien, il faudra qu'il vienne très sobrement. Le terme sobrement, vous lui direz. Qu'il n'y ait pas beaucoup de gens autour, que ce soit quelque chose de très simple. Il vient poser une gerbe sur la tombe des martyrs. Voilà. Moi, je n'y suis pas opposé, ce serait certainement une bonne chose. Mais vous m'avez parlé, je crois, du jour anniversaire. Et je ne pense pas que ce soit souhaitable. Parce que moi, personnellement, ça ne me gênerait pas, mais je ne sais pas si ça serait bien perçu par la population.
Alors je ne sais pas, il faudra voir, mais recevoir le président allemand, moi je n'y suis pas opposé. Mais peut-être pas ce jour-là. Albert Wallad lebte damals in einem Nachbarort von Oradour. Er verfasste ein Buch, in dem er die besondere Tragik der vielen ermordeten Kinder beschreibt und widmet es den Müttern dieser Kinder, die heute zum Teil noch leben. Raymond Frugier ist der Bürgermeister von Oradour-sur-Glane. Er ist um eine Versöhnung zwischen seiner Gemeinde und Deutschland bemüht. Il n'y avait pas eu de relation officielle entre l'Allemagne et la municipalité d'Oradour depuis la guerre. J'ai accepté de recevoir pour la première fois Monsieur Bocklet, qui était ministre de la Bavière, le 28 mai, si j'ai bonne mémoire, 2000. C'était un dimanche. Je l'ai reçu avec toute sa délégation dans cette salle. Donc je l'ai reçu officiellement en mairie. C'était un événement, puisque depuis la guerre, il n'y avait eu aucune relation. Das Centre de la Mémoire gibt es seit 1999. In einer Ausstellung wird man über die Ereignisse informiert, bevor man mit den Ruinen konfrontiert wird. Die Direktorin Anne-Dominique Barrère fördert den Austausch zwischen Oradour und Deutschland. Moi, je serais ravie si le président venait, le président Haro venait. Je crois que le 10 juin, c'est quand même une date très symbolique, hein. Et qui est sûrement très difficile pour la population. Ce n'est pas du tout évident qu'il soit accepté un 10 juin. Hein. C'est quand même très dur. Ce serait sûrement très dur pour lui comme pour les familles. Par contre, si le président Rowe venait au cours de l'année prochaine, c'est-à-dire dans l'année du 60e anniversaire, je pense que ça serait bien. Ici, on considère que le 10 juin, c'est le souvenir d'abord des rescapés, des gens des environs qui ont perdu leurs enfants. C'est ça, le 10 juin. C'est une chose familiale. On vient se recueillir sur les tombes de nos martyrs, ce 10 juin. Et on est heureux que d'autres viennent déposer des fleurs sur nos martyrs. Je ne vois pas pourquoi, qu'ils viennent le 8 ou qu'ils viennent le 11, pour moi ça ne change rien du tout. Hein. Mais que ce soit une visite qui ne soit pas protocolaire, je voudrais que le chancelier vienne déposer une gerbe sur la tombe des martyrs, s'incliner sur la tombe des martyrs. Voilà, simplement. Moi, je considère, pour moi, j'ai perdu des miens, j'ai perdu de la famille, j'ai perdu des amis, j'ai perdu des voisins. Et je pense que si aujourd'hui, ces gens-là étaient là, qu'ils voudraient, eux aussi, qu'il y ait une réconciliation, je pense. Mais pour l'inviter, j'y suis prêt. Je veux m'assurer que la population de la commune d'Oradour-sur-Glane accepte de le recevoir en toute amitié et très loyalement. Et c'est en ce sens que c'est difficile. Il faut que la demande, à la limite, ce soit l'État allemand qui demande à l'État français, à Jacques Chirac, et Jacques Chirac viendra avec lui, l'accompagner. C'est de gouvernement, à ce niveau-là, pour Oradour-sur-Glane. Mais ça ne peut pas se passer comme ça, enfin, du maire d'Oradour, etc. C'est trop officiel, quoi. Et le maire d'Oradour ne peut pas dire de lui-même « je veux inviter ». Il peut, même s'il le souhaite et qu'il en a envie, il ne peut pas écrire une invitation. Il ne peut pas. Intellectuellement, il ne peut pas. Hein, ça serait très très mal perçu dans son village, etc. Même si lui le souhaite, ça c'est clair et net. Hein, on en a souvent discuté, pour le maire d'Oradour, c'est quelque chose de très évident. Et si on ne le fait pas cette année,
enfin l'année prochaine, ça ne se fera plus. Si on ne le fait pas pour les 60 ans, 60 ans, c'est comme les 50 ans, c'est des dates clés. On va attendre quoi? 70, 80, que tout le monde soit mort? Non. Je dis que ça doit être notre contribution pour que nos enfants ou nos petits-enfants n'aient pas à revivre dans des conflits franco-allemands ce qui a été vécu et subi ici même. Voilà pourquoi je pense qu'il est important que nous œuvrions dans ce sens. Nous devons le faire pour l'avenir, nous devons le faire pour la construction d'une Europe unie, et si le socle franco-allemand n'est pas solide, l'Europe tanguera, l'Europe sera fragilisée. Il y a encore en Allemagne, comme il y a en France, les anciens, les vieux qui ne veulent peut-être pas reparler encore de tout ça. Mais pour moi, il ne faut pas attendre que nos générations aient complètement disparu pour faire quelque chose. Je crois qu'il faudrait le faire avant. Enfin, moi, j'aimerais que ça se fasse avant. C'est certain que les personnes de ma génération en Allemagne n'ont peut-être pas spécialement envie de parler de ce qui s'est passé à Oradour et ailleurs. Hein. Mais je crois quand même qu'il faut dire certaines choses. C'est que il n'y a pas une armée dans le monde qui puisse se vanter de ne pas avoir fait d'exaction. Nous, on a eu Napoléon, on a eu la guerre d'Algérie, on a toutes les guerres. Personne n'est complètement noir, mais personne n'est complètement blanc. Je crois qu'il faut le voir dans ce sens.